Bien, on se retrouve sur VHive pour découvrir un nouveau jeu. Enfin, personnellement, je vais le découvrir. Peut-être que vous connaissez, hein. Alors j'aimerais bien que le menu s'ouvre. Voilà. Alors, il s'agit de Draw It. Donc, c'est un jeu de dessin, a priori, hein. Donc, je n'ai jamais essayé. Alors, c'est l'occasion de le faire avec vous. Alors, Draw It. Bon, alors déjà, la décoration de la salle d'attente est vraiment pas mal. Enfin, c'est pas la salle d'attente ici, c'est le lobby. Non, c'est vraiment bien foutu. Ouais, c'est. Ouais, il y a plusieurs salles de ce type hein, sur VHive. Des salles qui représentent des pièces. C'est vraiment bien foutu, hein. Alors par contre, il me semble que c'était au-dessus en fait pour... Alors le problème, ouais, c'est que pour... Oui voilà, il doit y avoir une... Non, il n'y a pas d'échelle. Ah, peut-être ici, non? Parce que c'est au-dessus en fait hein, qu'on peut jouer. Non, j'étais descendu ici parce qu'il proposait un parcours. Mais... Alors, c'est assez embêtant. Alors, est-ce qu'en repassant par le... Oui, voilà, c'est parce que j'avais cliqué ici, en fait. Mais... Ah, on peut peut-être remonter. Bon, sinon, on va faire le parcours, hein, et puis voilà. Oui, il faut grimper là, non? Ouais, on peut peut-être se faire un petit parcours, du coup, avant de commencer. Hop. Ouais, bon, on va essayer quand même de repasser par le menu principal. Ce sera quand même plus simple. Donc, arcade. Non, il faisait pas partie des jeux d'arcade, hein, il me semble. Quoique... bah peut-être. Merde. Bon, on va aller voir. On va quand même essayer de pas trop perdre de temps. Bon, alors, quels jeux sont proposés ici? A priori, c'est pas. Ah, il y a même des loteries, d'accord. Ouais, bon, c'est un peu chiant là qu'on puisse pas revenir là-bas. Il n'y a pas une commande en fait. Je suis en train de me demander. Alors, si je reclique. Non, il me dit rien en fait, hein. Ouais, c'est assez embêtant tout cela. Bah non, c'est pour revenir ici, ok. Ouais, alors, il n'y a pas une commande, merde. Ouais, mais non, j'ai pas envie d'ouvrir une page. Comment on remonte sur cette table? Ah, hub spawn. Ah, bah voilà, hub spawn. Oui. Faut peut-être aussi de temps en temps regarder un peu l'interface jusqu'au bout. Bon, alors, on va aller sur celui-là. Donc le but du jeu... Ouais, du coup, j'ai même pas regardé les règles. Peut-être pas avoir une version plus... Bon, en gros, faut dessiner et reconnaître ensuite, hein. C'est une sorte de pictionnerie, si je me trompe pas.
Donc on va bien voir que ce que cela donne, hein. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de découvrir mes inénarrables talents de dessinateur. Enfin, c'est parti. Ah oui, en fait, oui, voilà, c'est une personne qui dessine et les autres doivent deviner, hein, si je me trompe pas, ouais. C'est en quatre lettres. Là, on a quatre tirets. C'est pas un... Alors, qu'est-ce que cela pourrait être? Ah, il y a un S. Ok, d'accord. Ah, non. Desk. Voilà. Ouais, c'est un bureau. Je sais pas si c'est les mêmes indices pour tout le monde, d'ailleurs. Donc voilà, là c'est un autre joueur qui dessine. Donc en fait, j'ai été le premier à trouver. Hein. Oui, c'est bien cela. Ok, cela apparaît tout de suite. Sunset, non. C'est en 6 lettres. Non, il y a un N là, ok. Donc c'est une sorte de mélange, ouais, c'est entre Pictionary et pendu. C'est assez sympa d'ailleurs, je n'ai jamais essayé. Il me semble l'avoir vu en vidéo, hein, par contre. Ah, il y a des lettres. Uranus, non? Non. Alors, il y en a qui ont trouvé, mais évidemment, on ne peut pas savoir ce que c'est. Bah, c'est peut-être cela, en fait, hein. Ah bah oui. Oh, j'aurais dû le dire plus tôt. Alors, par contre, je vois pas trop pourquoi. Enfin bon, ce test-là, la solution. Je l'ai trouvé par rapport aux indices, hein. Bon, enfin, c'est reparti pour une nouvelle devinette. Ah, bah, quand il va falloir que je dessine, là, ça va être. Je pense qu'on va moins rigoler. Bon, tous ceux qui sont proposés là, en fait, on sait qu'ils sont faux, hein, puisque quand on donne la bonne la solution, le message n'apparaît pas, ce qui est logique. Alors, AR. Est-ce que c'est un fruit déjà? Ah bah si, il l'écrit. Non, il l'écrit pas. Alors, plusieurs. Earth. Earth. Merde. Ouais, voilà, je l'ai dit un peu tard. Mais c'était cela. C'était, ouais, c'était bien Earth. Bon, alors là, il faut que je dessine. Pocket. Alors, on va essayer de faire une poche de... Une poche arrière de pantalon. Ouais, est-ce que cela va ressembler à une... Alors, s'il trouve, hein... Ah oui, left-click, au fait, pour faire des... Ah bah, ils ont trouvé. D'accord. Non, c'est pas un bucket. Ouais, c'est vrai que cela y ressemble aussi. On va juste tester. Ah oui, d'accord, oui, pour avoir des motifs et des couleurs différentes. Bref, donc on est reparti pour deviner d'autres mots. Ouais, bah comme quoi c'était pas si mauvais que cela. Alors les leaders, ouais, le classement, je ne sais pas selon quoi il est établi. Ah bah oui, c'est les points qu'on gagne quand on devine, oui. Par contre, est-ce qu'on gagne des points Ouais, bah pourquoi pas, oui.
Ok, bah mon image est... Donc si vous voulez avoir le lien, hein, si cela vous intéresse. Bref, alors cela, ça ressemble à une tasse de café, enfin, ou de ce qu'on veut, mais... Ah merde, comment on dit? Ah, tipote. Ouais, voilà, c'est cela. Donc, ouais, c'est une tasse de thé, quoi. Donc, ouais, je disais, je sais pas si on gagne des points lorsque l'on dessine. On pourrait se recentrer un peu, bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas une banane. Je suis pas le seul à y avoir pensé d'ailleurs. Donc c'est en 6 lettres, une A, ah, carotte. Bon, non, c'est pas vraiment la forme, hein. Ah, il a effacé. Bon, alors là, il s'est mis en rouge. Donc ouais, on doit avoir plusieurs motifs aussi dans les dans le menu, là, je peux vraiment regarder. Ah, et alors, il y a bien deux R, mais... Ah, cherry, une cerise. Voilà. Ah, je suis trouvé en deuxième. C'est bien cerise, d'ailleurs, votre cherry. Parce que c'était pas vraiment la forme. Je vais aller vérifier vite fait. Pendant qu'on essaye de deviner celui-là. Ouais, c'est bien cela, hein, c'est bien cerise. J'avais un petit doute. Ouais, il doit y avoir un outil aussi de brosse, ouais, voilà. C'est plus pratique pour certains dessins. Donc c'est pas Hosian. Ni Weather. Bah non, c'est pas hiver, hein, en anglais. Qu'est-ce que cela pourrait être, tiens? Ah, Weaver. Une rivière. Donc, ouais, bah, il est vraiment, vraiment sympa, Bah, j'avais dû le voir en vidéo, hein, cela me dit quelque chose, mais bah, je me souvenais plus du nom. Ouais. Donc, c'est reparti pour un autre dessin en 5 lettres. Bon, alors, c'est pas une sucette, hein, c'est pas un lollipop. Ni un ballon. Ah, c'est un W. Okay. Qu'est-ce que ça pourrait être avec un W? Alors, pour l'instant, je suis troisième, hein, dans le classement. On va essayer de garder cette place. Alors, que va-t-il nous faire? Ah, 8. Ah bah non. Ah bah non, 8 c'est le blé, c'est avec un A. Well. Non. Ah bah oui, ok, on l'a dit trop tard. Ouais, c'était une roue, hein. Bon. Bah la personne... Ah si, quelqu'un a trouvé, ok. Ouais, bah c'est trop tard, hein, de toute façon. C'était bien Well. Donc là, on est passé au suivant, mais pour l'instant, il ne dessine rien. Bon, il faut dire que des fois, c'est pas facile à dessiner, hein, franchement. Bon, par contre, si on n'a pas de dessin, cela va être vraiment au pif. Il y a quelqu'un à trouver quand même. Ah. Ah, il y a des outils de remplissage aussi. D'accord. Donc, ouais, il y a plusieurs. Bah, c'est ca... card. Ouais, voilà. Bon. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on peut deviner. Donc, c'était une
carte. Bon, on prend une petite capture d'écran, mais bah, je suis arrivé deuxième hein, quand même. Hein, bon. Donc c'est pas mal pour une première fois. On va dire bravo. Bon, et bah voilà, bah, sur ce, je pense qu'on va en rester là hein, pour cette petite vidéo. Donc on aura découvert encore un nouveau jeu. Bon, celui-là, il existe depuis longtemps. Hein. C'est pas forcément une nouveauté, mais je l'avais jamais essayé. Donc, eh bien, maintenant, c'est chose faite. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à plus tard pour d'autres jeux, pour un autre contenu. Donc, à plus!